Hallelujah. Alléluia. You will not be seated. You will not be seated. It's Easter Sunday. It's the resurrection morning. Jesus Christ is alive. He has risen from the dead. The entire world celebrate and acknowledge that. Somebody say amen. Hallelujah. Today is my last day. C'est mon dernier jour. It's been a wonderful time. Ça a été un merveilleux moment. Abidjan, Côte d'Ivoire. I enjoyed myself. Et vraiment, j'ai pris plaisir. Thank you for the great hospitality. Merci pour l'hospitalité. Thank you for allowing me to speak into your life. Merci de m'avoir permis de pouvoir parler sur vos vies. Amen. Amen. I'm excited. Je suis très content. I feel sad that I have to leave. Donc, je me sens un peu triste de la partie. Amen. Amen. But I have to leave. Mais je dois partir. We will see tomorrow in the beach. Et donc, demain on se rend ensemble à la plage. That will be my last moment to be. Donc, ce sera le moment de dormir changer. Hallelujah. Amen. I want you to turn to somebody by your side. Regarde à côté de toi. Look straight into the person. Regarde dans tes yeux. Give the person a warm handshake. Salue la personne chaudement. With a smile. Avec un sourire. And tell that person I love you with the love of Jesus. Et dis à la personne je t'aime de l'amour du Seigneur. Look straight into the person. Regarde la personne. If the person did not smile, change your smile. Si la personne ne sourit pas, change de place. Make sure that the person you are sitting with is a happy person. Assure-toi que la personne qui a coupé le temps est une personne joyeuse. They did say I was happy. Dis-lui, je suis content. When they said, let us go to the house. Parce que la vie des cas, je suis en joie que vous pouvez dire alors dans la maison du Seigneur. Hallelujah. Amen. I told you that today is not going to be a teaching day. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'enseignement. It's going to be a day of celebration. C'est plutôt un moment de célébration. Because our Savior has risen from the dead. Parce que notre Seigneur ressuscite des morts. Hallelujah. Amen. But I thought I should leave a word to my last word with you. Ben, je pense que je vais comme relâcher une parole qui sera ma dernière parole. I have shared with you about five principles. Je partage avec vous cinq principes. Which I know and I believe that as you apply it, it's going to change your life. Je sais, je crois que si vous les mettez en application, but this is my last word with you. Mais ce sera la dernière parole que je vais échanger avec vous. Amen. Amen. Now the Bible says. La Bible déclare. When you read from the book of Genesis, le livre de Genèse, to Revelation, Apocalypse, two times, deux fois, Jesus, Jésus, resurrected today, est ressuscité de mort. He cried. Il a pleuré. Twice in the Bible. Deux fois dans la Bible. The God that made the heavens and the earth. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Who came down in the form of a man. Il a pris la forme d'un homme qui a venu sur terre. To take away our sins. Pour venir ôter nos péchés. He cried. Il a pleuré. So, the title of my message this morning. Le thème de mon message ce matin. Is when God cries. Quand Dieu pleure. Amen. God cries. Quand Dieu pleure. And I want to be able to speak to you privately. Et donc je veux pouvoir te parler privément. On this topic. Sur ce thème. The first instance. La première chose est que. That Jesus cried. Que Jésus Christ. Is found. A été trouvé. In the book of John, chapter number 11. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 11. The second time. Et la deuxième fois. Is found in the book of Luke, chapter number 19, verse 42. In the book of Luke, chapter number 19. Dans le livre de Luke 19. Let me look at the first time that he cried. Donc, laissez-moi un peu analyser la première fois que Jésus a pleuré. Hallelujah. Amen. Are you ready this morning? Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Yes, sir. Yes. Wave your hands. Let me say, I want the happiest person this morning to just stand up and shout hallelujah. Je veux que cette personne joyeuse tienne debout. People
pousser des cris de joie. Bon, je ne pense pas qu'il vous a dit. You didn't hear what I said. Ok, il n'a pas compris ce que j'ai dit. I didn't say that. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I didn't say the happiest people. Je n'ai pas dit un peu des personnes importantes. J'ai dit la personne la plus importante, la plus de joie. La personne la plus en joie. The happiest person. Je veux la personne la plus joyeuse. Are you saying what I said to them? I said the happiest person. J'ai dit, not everybody. La personne qui est la plus en joie ce matin, pas tout le monde. La personne la plus en joie. No winner. They wanted somebody to win. The first time that Jesus Christ is found in the book of John, chapter number 11. And when you read the Bible, you know, in this particular chapter of the scripture, the Bible talks about a man whose name was Lazarus. Lazarus is the only person in the Bible. The only person in the Bible, la seule personne dans la Bible, that is called the friend of Jesus. Qui est appelé l'ami de Jésus. Lazarus was the only personal friend. Lazare est la seule personne of Jesus. La seule amie de Jésus. And so the Bible says, la Bible dit, one day, un jour, while Jesus was relaxing. Pendant que Jésus était quelque part sur le domaine, he got an SMS. Donc, il a reçu un message. He got a WhatsApp message. Il a reçu un message. He got a message on the Twitter. Il a reçu un message sur le Facebook. He got a message on the Facebook. Un message sur son Facebook. And the message said. Et le message disait, Jesus, Jésus, your best friend, ton meilleur ami, is very sick. Elle était malade. When Jesus took out his cell phone, quand Jésus a pris sa téléphone, son téléphone, he opened the phone. Il regarde. The first message that came, le premier message qu'il a reçu, Jesus, Jésus, your best friend, ton meilleur ami, the only friend, le seul ami that you have, que tu as, is very, very sick, très, très malade. He's in the hospital. Il est à l'hôpital. He's in the ICU, the intensive care unit. Il est au soins intensifs. He's under oxygen. Il est sous oxygène. He's nearly dead. Il est sur le point de mourir. In the Bible, tell me what it is. I want you to listen to the Bible. Et là, je ne sais pas non. Mais comme tu veux bien. Let me ask you a question. Laisse-moi poser une question. If you are in church, tu peux être à l'église. And you take your phone. Vous prenez votre téléphone, allez, c'est la silence. Et le téléphone est sous silence. And you look at it, vous regardez, and you saw the message. Et vous voyez que ça. That either your father, your mother, your best friend, votre meilleur ami, is very, very sick, très, très malade. And what will you do? Qu'allez-vous faire? You might lift up your hand in the church. Et vous pouvez lever la main. And tell the protocol. Et dis au dis au pasteur, I will see him after church. Et je vais le voir après le service. My mother is very sick. Moi, elle est malade. And you will leave the church. Je vais quitter l'église. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Will you do something like that? Vous allez peut-être me dire que j'ai entendu un urgent message. Parce que c'est un message urgent. That your best friend, what
meilleur ami. Your mother, votre mère. Your very close person, votre ami le plus very sick, est très malade. He's about to die. Vous allez vivre comme lui. You will live whatever you are doing. Vous allez faire ce que vous faites. And you will not die. Vous allez mourir. At least the person. Au moins, vous priez la personne. If you were pastor, tu es pasteur. You will go there with the anointing. Vous allez aller avec lui pour être tué. You pray for that person. Vous allez prier pour la personne. If you were a believer, tu es un croyant. You will tell them. Vous allez leur dire, please tell the church. Aux gens de l'église, tell the church, dis à l'église, to pray for me, de prier pour moi, my mother, pour ma mère, my father, mon frère, mon père, my brother, mon frère, my best friend, mon ami, he's very very sick, très très malade, that's why I'm leaving the church. Pourquoi je pars? Tell the church, dis à l'église, to pray for me, de prier pour moi. The Bible says, la Bible déclare, when Jesus, quand Jésus, heard that his best friend, à l'époque, was very sick, quand le dernier de notre ami était malade, he was in the hotel de roi. Il était dans un hôtel à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan. So when he got the message, il a eu le message. But his best friend is sick. Que son ami. The Bible says, la Bible déclare, that when Jesus heard, que quand Jésus entend le message, his very best friend, que son ami, the only friend that he had, le seul ami qu'il avait, the only one that the Bible calls his friend, le seul que la Bible appelle son ami, is sick. Était malade. The Bible says, la Bible dit. He went and told the hotel reception. Il a dit à la réceptionniste, I want to stay 2 days. Je reste encore pendant 2 jours. Do you listen to me? Je vais essayer de vous comprendre. He got a message on WhatsApp. Il reçoit un message sur WhatsApp. He got a message on Twitter. Son message va être par Twitter. SMS. Il reçoit un SMS. Even on Facebook, même sur son Facebook. That his best friend, son meilleur ami, is sick et malade. Instead of him running down, let him flee. The Bible says, "At the beginning, to the reception of the hotel." À la réception. Alors, à la réception de l'hôtel d'Ivoire. Il vient à la réception de l'hôtel d'Ivoire. He was in hôtel d'Ivoire. Il est à l'hôtel d'Ivoire. He came down. Il descend. I thought that he was going to call for a taxi. J'ai cru qu'il allait appeler un taxi. But the Bible says, et la Bible dit, when he came down, quand il est descendu. I want you to book me for 2 more days. Je suis là encore, je me programme pour 2 jours. What kind of a friend? C'est quel genre d'ami ça? It's Jesus. C'est Jésus. What kind of a friend? C'est quel genre d'ami ça? It's Jesus. C'est Jésus. Your best friend, ton meilleur ami, is in the hospital. Il est à l'hôpital. He's about to die. Il est sur le point de mourir. If they send you a message, il t'envoie un message. To tell you that the your only friend, votre seul ami, because from Genesis to Revelation, parce que de Genèse à Revelation, when you read the Bible, the Bible said this was the only person. La Bible déclare que c'était la seule personne. Was a friend of Jesus. Que la Bible a qualifié d'ami de Jésus. The only person, la seule personne, that Jesus called his friend, qui était appelé ami de Jésus. Let me read from the Bible. Just as we read your Bible, put it in the book of John. So we're going to read it. And the Bible says in the book of John, chapter number 11, John almost. Now a certain man was sick named Lazarus. He had heard of my love. Of Bethany, the town of Mary and her sister. The town of Bethany, belonged to Mary and Martha's. It was that Mary which anointed the Lord with ointment. C'est de cette Marie qui voyait de parfum de Seigneur. With her head, et qui lui a le pied avec ses cheveux. Brother was sick, et c'était son frère malade qui était malade. This story, quand nous lisons cette histoire, this family, cette famille, respectait Jésus. This family, cette famille, loved Jesus, aimait Jésus. The Bible says, il dit, it was the same, you know, sister of this man. C'est la même sœur là de Lazare. Who used her head, qui a utilisé ses cheveux. Wash Jesus' feet. L'idée c'est de la vie. The Bible says it was him. La Bible déclare que c'était. It was her that the brother was sick. C'est quel que le frère était malade. There is emphasis here. Il y a une insistance. For you to know. Pour que vous puissiez comprendre. This was the closest family to the church. Une famille très proche de Jésus. Look at verse 3. Verset 3. Therefore his sister sent unto him. Les sœurs voyaient à Jésus. Say,
love, celui que tu aimes, the person you love, celui que tu aimes, not just the person you know, ah, celui que tu connais, but the one you love, celui que tu aimes, is sick, est malade. It's not any other person. C'est pas quelqu'un d'autre, the one that you truly love, celui que tu aimes fortement, your loved one, celui ton bien aimé, is sick, est malade. Watch this. Lisez, regardez bien. Watch this. Verse 4. Verset 4. When Jesus came back, après avoir donné cela à Jésus, il said, il dit, this sickness is not unto death, cette maladie n'est point à la mort, but for the glory of God, mais elle est pour la gloire de Dieu, that the Son of God might be glorified, afin que le Fils soit glorifié. Look at verse 5. Verset 5, avec moi. Now Jesus loved Martha. Oh, Jésus aimait Marie, and her sister, et sa sœur, and Lazarus. Et Lazare. The Bible said Jesus. La Bible dit que Jésus. So this was not a joke. Ce n'était pas un amusement. The Bible said. La Bible dit that Jesus. Jésus. Loved. Aimait. Martha. He loved Mary. Il aimait Marie. And he loved the brother. Il aimait le frère Lazare. Watch this. Suivez bien. Look at verse 6. Verset 6. He loved them so much. Il les aimait tellement. That the Bible said when he heard the fall that he was sick. La Bible dit que quand il a entendu qu'il était malade, he did nothing. Il n'a rien fait. He stayed for 2 days. Il est resté 2 jours de plus. Do you understand that? C'est pour vous comprenez cela. The Bible said in verse 5. La Bible dit que verset 5. That Jesus loved. Que Jésus aimait. Martha. The sister, la sœur, et Lazare. What is the sixth? Mais verset 6, when he heard, on dit quand il a entendu, when he got the message, quand il a reçu le message, that Lazarus was sick, que Lazare était malade, he stayed 2 days. Il est resté 2 jours de plus. Didn't do it. Il n'a rien fait. What do you have somebody this? C'est que j'ai des personnes ça. This is the Sunday. Hein? C'est dimanche. Jesus, Jésus, stay and resté. He did not do anything. Il n'a rien fait. Watch this. Suivez bien. C'est tout bien que vous. Vous devez comprendre cela. The Bible says. La Bible dit. After 2 days. Après 2 jours. He knows that it's a long journey to get to his friend's place. Il savait qu'il allait faire un long voyage jusqu'à. Il est resté pendant 2 jours. After 2 days, après les 2 jours, he decided to go. Il a décidé de partir. Are you good, man? Si vous me comprenez. When he arrived, quand il est arrivé, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? The friend, le frère, l'ami, died. Était mort. They have buried him. Quand le frère peut tuer un ami comme un ami de ce genre. C'est lui. Et toi? After all. Après tout ça. Pardon. Somebody said, no, your pastor. C'est comme une âme de ton passé, j'ai dit, qui ça? Oh. Because he has disappeared. Parce qu'il vous a déçu. When you needed him the most. Là où vous aviez besoin de lui. Listen to me, church. Écoutez-moi. Now the Bible say. Mais la Bible dit. That after 4 days. Après 4 jours. After the funeral. Après le funeral. The best friend of Jesus. Le meilleur ami de Jésus. Is sick. Est malade. Is dead. Il est mort. Said he cried. La Bible dit qu'il est venu, il a pleuré. What was he crying for? Pourquoi il pleure pour quoi? What was he crying for? Il pleure pour quoi? La personne was sick. La personne était malade. La personne n'est pas venue. Tu n'es pas venu. Tu fais ce que tu veux. The person died. La personne est morte. He didn't attend the funeral. Tu n'es pas venu au funérail. 4 days. 4 jours. After the funeral. Après le funérail. He comes. Et voilà, tu viens. He's crying. Et tu pleures. What is he crying for? Il pleure pour quoi? That's my question. C'est ma question. When I read this scripture. Quand je lis ce passage. And I look at the circumstances. Et je dis comme des circonstances. That Jesus knew. Jésus savait.
about Lazarus. Concernant tout ce qui concerne sa best friend, son meilleur ami, being sick, qui était malade, he didn't come. Il n'est pas venu. He died. Il est enterré. He didn't come. Il ne venait pas venu. They did the funeral. On a fait le funérail. He didn't show up. Il n'est pas montré. The day after the funeral. Après. Not 2 days after. Même pas 2 jours. Not 3 days. Même pas 3 jours. 4 days. 4 jours. After the funeral. Après le funérail. He came. Certainement il vient. And he's crying. Mais il pleure. What is he crying for? Mais il pleure pourquoi? Somebody said something. Quelqu'un peut dire c'est sorcier. What are you crying for? Hey, tu pleures pourquoi? Your best friend was sick. Ton meilleur ami était malade. He didn't come. Il n'est pas venu. He died. Il est mort. He didn't come. Tu n'es pas venu. They did the funeral. On a fait le funeral. He didn't come. Tu n'es pas venu. 4 days after. 4 jours après. You come out. Tu viens. And you're crying. Et tu pleures. Why is he crying? Tu pleures pourquoi? When I read this scripture. Quand je lis ce passage. For many years. Pendant des années. As a pastor, en tant que pasteur, I keep asking myself, je ne suis pas posé la question. What was he crying for? Il pleurait pourquoi? He should have prospered. Il aurait dû venir. He should have come there. Il aurait y aller. He was the only friend. C'était le seul ami. The only one in the Bible. Le seul ami. That's calling his friend. Quand il était appelé son ami. He loved them. Il nous connaissait. What kind of love is this? Donc c'est quel genre d'amour? That when somebody is in need, quand quelqu'un est dans le besoin, you don't show up. Tu ne viens pas. Jesus. Jésus. What were you? I was asking myself this question. Je me posais cette question. For many years. Pendant des années. See, you know, when I read the Bible, quand je lis la Bible, I look at the words. Je regarde la parole. I look at the circumstances. Je regarde les. I look at the circumstances. Je regarde les circonstances. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now look at this. Maintenant regardons cela. The Bible says, let me show you the Bible. Donc je vous donne cela dans la Bible. Look at verse 19. Verset 19. And many of the Jews came. Beaucoup de Juifs étaient venus. To Martha and Mary. Et Martha et Marie. To comfort them. Pour les consoler. Concerning their brother. De la mort de leur frère. Then Martha. Lorsque Marthe, as soon as he heard, apprit que that Jesus was coming, Jésus arrivait, he went to meet him. Elle alla devant lui. But Mary, tandis que Marie, sat still, se tenait assise in the house, à la maison. How many people would have been like Mary? Combien parmi vous allez se comporter comme Marie? And the Bible says, la Bible dit, when Martha, Marthe. Some people went and told him. The gens sont venus. Jesus is coming. The guest went up. Lazarus is on the way. Jésus est arrivé. The Bible said Martha went to meet Jesus. La Bible dit que Marthe est allée au passé. Mary said. Marie dit. I'm not going anywhere. Moi, je ne bouge pas. Mary was disappointed. Marie était déçue. So was Martha. Marthe aussi. So the Bible said. Et la Bible dit. When Martha saw Jesus, quand Martha vit Jésus, she looked at him. Elle a regardé. So you killed our brother. Tu as tué notre frère. If you were here, et tu étais là. Our brother would not have. Il ne serait pas mort. That means that you killed. Ça veut dire que toi tu as tué. He accused Jesus. Elle a accusé Jésus. Was she right? Avait-elle raison? How many people would have acted like that? Combien parmi vous allez se comporter sans ça? Don't try to be spiritual. Ne cherchez pas à être spirituel. Voici la réalité. How many people would have? Combien parmi vous allez se comporter comme ça? I don't understand. Et on allait faire la même chose. Because I know. Parce que c'est everybody knew que tout le monde savait Jesus had the power que Jésus avait le pouvoir to save Lazarus. Je sauvais Lazare. And he refused to pray. Il a refusé de faire de son père. Say, la Bible dit, when Martha, the man, heard that Jesus was coming, a entendu que Jésus est venu, not even wait for him to arrive. Elle ne pouvait pas dire rien pour lui. Elle avait le pouvoir. Say, if you have been here, et si tu étais là, my brother would not have been. Ma frère n'allait pas mourir. That is to say, you killed him. Quand tu l'as tué, you are the one who killed my brother. Pouvez-vous imaginer que cette scène? Jesus. Jésus. He has not even entered the house. Il n'est même pas allé à la maison. Martha. Martha. And grab him. You are the one.
You are the one who did what? You are the one who did kill my brother. That is your prayer. Jesus, look. Jesus, look. You know why was Martha right? Martha, when you know, she was right. And then he sent a message to Jesus. For the many of the white message, Jesus did not come. Tu viens pas. When Lazarus was in the hospital, Lazarus died. Lazarus meurt. He did not show up. Tu viens pas. They buried him on the dead. He did not show up. Tu ne viens pas. What kind of a friend? C'est quel genre d'ami? You kill him. Tu l'as tué. But the one who killed him. C'est toi qui as tué mon frère. Are you still with me? Vous voyez cela? Let's see what the Bible says. Regardons, examinons encore Dieu. Look at verse 23. Verset 23. And Jesus said unto her, Jésus lui dit, your brother shall rise again. Ton frère ressuscitera. Au nom de Jésus. While Martha was holding Jesus, tandis que Martha le secouait, elle le secouait, accusing him, elle accusait. The Bible says, la Bible dit, Jesus look at Jésus l'a regardé. So your brother, ton frère, will rise again. Va ressusciter. Martha said, I know. Mario, on the resurrection day. Dans le moment ressuscité. But what I'm saying is this. Mais ce qu'il dit là. If you were here, si tu étais là, you would not have died. Il n'allait pas mourir. Our pastor told us that on the last day, the dernier jour, we will all resurrect. Nous tous allons ressusciter. I'm saying to you, if you were here, if you were there, you would not have died. Il n'allait pas mourir. We would not have waited for resurrection. On n'allait pas attendre le jour. Le dernier jour. Je crois in the resurrection. Dans la résurrection. And Jesus. Et Jésus dit. Jésus l'a dit. Watch this. Suivez bien. Watch this. Verse 25. Verse 25. Jesus said unto her, Jésus lui dit, I am, je suis, the resurrection, la résurrection, the life, et la vie. He that believeth in me, celui qui croit en moi, though he was dead, vivra, he will yet live, quand même il serait mort. Jesus looked at Martha, Jésus regarde Martha, and said to her, et il dit à Martha, I am, je suis, la résurrection et la vie. Martha said, Martha, je sais. It's part of the doctrine in our church. C'est vrai, c'est la doctrine. Nous enseignons ça. Mais ce qu'il faut dire là, if you have been here, je suis là. My brother, pour la prochaine fois, dis-nous maman. Est-ce que vous me suivez? Tu veux dire? Il n'est pas français. Il me dit, il est là. Il est là. Mais où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Elle m'a passé. Il m'a dit. Mais ils sont venus. C'est pas que c'est peut-être plus la baisse. Mais lui, on le dit. L'auteur là. Don't you know the time? Tu sais pas bien. Ça fait 4 jours maintenant. Et Dieu, c'est Jésus là, les gars. On l'a demandé. Montre-moi l'endroit. Il n'a pas pensé. Il a dit. Et tout Jésus. J'ai dit, donc, conduit Jésus. Au milieu d'enterrement. On a enterré son âme. Suivez. En allant. La Bible dit. The people in the neighborhood, les gens dans le voisinage, les Juifs, et les autres personnes, disent, hey, this man, c'est lui-là, that opened the eyes of the man, qui a ouvert les yeux de la femme, he had not stopped his friend, il n'a pas empêché de la vie, de mourir. This man, cet homme, that did so much miracle, qui a fait autant de miracles, he had not stopped his friend, mais peut-être pas empêché de la vie de mourir, from dying, de la mort. But now, mais maintenant, he's going to the graveyard. Il s'en va au tombeau. So that they can cry. Pour pleurer. Est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui vont pleurer. Parce que moi, la compagnie va pleurer. Elle va pleurer. Let us go and support him. Allons-y, on va le soutenir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He said to them.
The Bible said, et la Bible dit, when Jesus saw, quand Jésus l'a vu, the reaction, a vu la réaction of Martha, la réaction de Marthe, Mary, la réaction de Marie, and all the people, et toutes les personnes, especially, et spécialement, the reaction, la réaction of Martha, de Marthe. He was telling Martha, il y a Marthe, la dit, je suis the resurrection, la résurrection, and life, et la vie. And Martha said, I know, Marthe, je sais, I know what you're talking about, je sais de quoi tu parles. I also believe in our church. My brother will rise up in the last day. But you know Jesus, what I'm saying is that if you have come, il a dit encore, je suis la résurrection et la vie. M'a dit, vous laissez ça. À l'église, on connaît ça. On connaît ça. We all believe in the resurrection. On prend la résurrection. Et la Bible dit, as a little baby, but quand tu partais to the place, à un moment, il s'est dit, il faut que tu vois un ils ont pleuré. In verse 35, au verset of that chapter, de ce chapitre, the Bible said that Jesus, Jésus, lifted up his voice, a élevé la voix, et il a pleuré. A question to you this morning. Et Jésus l'a pleuré ce matin. A question to you this morning. La question que je te pose ce matin is why did Jesus cry? Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Did he cry? A-t-il pleuré? Because his friend died? Parce que son frère était mort? Did he cry? A-t-il pleuré? Because he missed the funeral? Parce que c'était le funérail? Did he cry? A-t-il pleuré? Because Martha and Mary? Parce que Marie et Marthe angry with him? Et parce que they did not come? Et parce qu'il n'était pas venu? Why did? That was my question. C'est ma question. Pendant des années, je me suis dit, ask him, why did he cry? Pourquoi a-t-il pleuré? He told them in the hotel. Il nommait dans un hôtel. That is where qui était fait de sickness. Et l'hôtel is not today. C'est pas aujourd'hui. But for the glory of God. Et pour la gloire de Dieu. The man has died. Et l'homme est mort. And now he is crying. Et maintenant il pleure. Why did he cry? Pourquoi? If somebody wants to know why he cried. Quelqu'un veut savoir pourquoi il a pleuré? Yes, sir. How many want to know why? Quelqu'un veut savoir pourquoi il a pleuré? The only talk to these people. Jésus a pleuré. Pourquoi a-t-il pleuré? Watch this. Tu veux dire? In the whole of the Bible, dans toute la Bible, the closest family, les amis les plus proches, Martha, Marthe, Mary, Marie, et Lazare, the closest people, étaient très proches de Jésus. This was the only family. C'était les seules personnes that Jesus can enter. Où tu étais le seul moment Jésus dans la maison, et il pouvait ouvrir le réfrigérateur, il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. This is the only house. C'était la seule maison that Jesus can go to. Où Jésus pouvait aller. Go to the kitchen. Il pouvait aller à la cuisine. And open the box. Ouvrir la maison. Il pouvait ouvrir. How many of you have friends like that? Quand il y a des amis, when you go to their house, quand il y a des amis, quand il y a des amis. You just went to the kitchen. Tu vas à la cuisine. How many of you have friends like that? Combien de amis ont-ils? How many of you have people that are going to see you? You go to their house. Tu vas à la maison. You are not a visitor. Tu n'es pas un visiteur. You can go to the kitchen. Tu vas à la cuisine. You can go to the bedroom. Tu vas à la chambre. Take anything you want. Tu vas sur Dieu pour nous. The thing is, qui combien de amis ont-ils? Do you have friends like that? See you with us. Do you have friends like that? Do you have friends like that? That you know where the key of their house is. Il sait où est la clé de la maison. You are there. Là. Nobody is there. Personne là. You just look for the key. Il va, il prend la clé. And open it. Il ouvre la porte. It's like your own house. C'est pas sa propre maison. This house. Cette maison. Of Martha. De Marthe. And Mary. Marie. And Lazarus. Et Lazare. Were like that. Était comme ça. That was the closest. C'était les plus proches. Jesus Christ. Que Jésus Christ. That's why the Bible says. Que Jésus Christ. Que Jésus Christ. Martha. Martha.
loved Mary. Il l'a marié. This was the closest family. C'était une famille très proche de lui. So they were disappointed. Et l'homme était déçu. When he didn't show, quand il n'est pas venu. That's why Mary, le pouvoir Marie, never want to talk to him. Ne voulait même pas lui parler. Only Martha, seulement Martha, went to receive him. Est venue le recevoir. Say if you were here, elle dit c'était là. Enfin, il n'était pas bon. Il se dit, tu as tué mon père. Jésus quoi? Jésus a fait pleurer. The same thing. I'm making cry today. La seule chose qu'il peut donner à pleurer, c'est la même chose. I'm making cry today. Qu'il avait approuvé ce jour-là. Yes. La raison pour laquelle Jésus a prié was not, ce n'était pas because Lazarus was parce que Lazare était mort. The reason, la raison he cried pour laquelle il a pleuré n'était pas qu'il ne pouvait pas prier le funérail. The reason, la raison that he cried pour laquelle il a pleuré was not because he was very n'était pas parce que il va venir dans le tellement. La seule raison pour laquelle il a pleuré, c'est même celle-là. Que les personnes qui étaient très proches de lui. Ces personnes avec qui il était. Ces personnes chez qui il dormait. Ces personnes qui les maintenant. Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. They ate with Jesus. Il ne connaissait pas Jésus. They talk with Jesus. They talk with Jesus. Le plus qu'avec Jésus. The words make his feet to be ahead. Elle a lavé. C'est qui avait ses cheveux. Le malgré cela, il ne le connaissait pas. So when Jesus. Parce que son cœur était brisé. That he was with them for so long. Il était avec eux pendant longtemps. That he ate their food. Il a mangé leur nourriture. He loved them. Il a aimé. And they loved him. Il a aimé. And they didn't know him. Mais ils ne le connaissaient pas. Amen. Yes. Ils ne le connaissaient pas. So when he said to them. Donc quand ils lui ont dit. Quand il a dit tu suis. The resurrection. And life. Et la vie. They were still talking about. Il parlait. My brother. Mon frère, son mari, le dernier Jésus, on sait, il dit, life is here, la vie est ici, life is here, la vie est ici, je suis de lui, la life, il amène à la vie, le monde, je suis de lui, il est, il mène, I am, je suis, life is here, la vie, don't talk about the last day, je n'ai pas parlé de la vie, I'm standing before you, je ne parle pas maintenant, I am, je suis, the resurrection, la résurrection, and life, et la vie, how come, je viens, la résurrection et la vie. Brothers and sisters, frères et frères, we are celebrating the same his resurrection. Sa résurrection today, aujourd'hui, à Christ. À Christ. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? It's possible. C'est possible. To belong to the church. D'être venu à l'église. And get membership certificate. D'avoir comment? It's possible. C'est possible. To belong to the church. Appartenir à l'église. Through the activities of the church. Tu peux l'activer de l'église. But yet you don't know. Laisse-moi le connaître. Mary and Martha. Marie et Marthe. They were so close. Ils étaient proches. They lived with him. Ils vivaient avec lui. Talked with him. Parlaient avec lui. They were your best friends. Ils étaient les meilleurs amis. Mais malgré cela, il ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. La question. Is that something? C'est le dimanche. It's a very personal question. C'est une question très personnelle. Est-ce que tu le connais? Vous ne jugez pas le problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. 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 Parce que vous le lisez.
esprit. Parce que maintenant là, l'esprit il sent. Jesus, c'est vrai. You, of all the people, parmi toutes les personnes, not Matt, you, toi, you don't know me. Toi, tu ne connais pas. Il a mis la son cœur était brisé. Parce que c'est le processus de lui. Il ne le connaissait pas. Ma prière, quoi, ma prière. Il s'est dit, mon nom, il est comme tu le connais. C'est ma prière. Because it is wondrous. Parce que it is wondrous. Il est coming to church, venir avec lui, doing everything, il fait tout, without knowing, sans le connaître. Because on that day, parce que ce jour-là, you have to prove, tu dois prouver, that you know him, que tu le connais. Because he may say, parce que il dit, he may say, tu peux dire, I sang in the choir, je chante avec lui, I did this, je peux te dire, so I don't know that je le connais, mais tu le connais pas. I pray for you to take three to four ce matin, that you may know, faut que tu puisses le connaître. So the Bible said, vous avez le dit, he said to me, il a dit, prenez-moi. Je vous l'ai donné. Oui, il est sur vous. Il a regardé. C'était à vous. Autour, la pierre. Personne n'a dit. Dis à quelqu'un, ouvrez la pierre. Dis à quelqu'un, ouvrez la pierre. Alléluia. Ouvrez la pierre. The stone of doubt, la pierre du doute, stone of fear, la pierre de la peur, the stone of your experience of l'aspect de l'éternel passé, l'éternel cela, is resurrection mort, c'est l'éternel de l'éternel, quel que soit la mort de ta vie, tu te verras ce que tu as dit, tu te verras ce que tu as dit, tu te verras ce que tu as dit, je dis que ce soit, afin que tu vois ce qui est arrivé, ça n'est pas fait, à l'église, but you don't know it. Mais tu ne le connais pas. I want you to come out. Tu sais pas de quoi tu parles. You are not sure. Tu n'es pas sûr. But you know it. Que tu le connais. But you've been around the church. Mais tu viens à l'église. You've done great things for the church. Tu as passé tout le temps à l'église. Tu n'es pas sûr. But you know it. De le connaître. I want you to come. Je veux que tu avances. What a great opportunity. Je te donne une opportunité. What a great opportunity. Je te donne cette opportunité. What a great opportunity. Je te donne cette opportunité. If you are not sure. Tu n'es pas sûr quand tu connais de quoi les choses sont. Quel que soit. How many
years. You've been in the church. It does not matter. What great things you took the show. You've done for the church. But you don't know him. But you know the if there is anybody in this house, you're not sure. If you were to die now, you are going straight to heaven. You are the person that I am talking to. C'est la personne dont je parle. I want to pray with you. Je veux prier pour toi. Will you step forward? Avance. Will you step forward? Avance. It is not about anybody. C'est pas. It's not about you. Je ne parle pas de toi. It's about me. C'est une personne, personne. Lord Jesus, I want to know you. I want to know you. I want to know you. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to
Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est assez possible.